La police arrête Pigro fournisseur d'armes, base Savien, nèg grand griffio dans Saint-Marc. Son bel coup de filet et wa saisi tande qui est fournisseur d'armes avec munitions sa yé. Bral bon tout détail yo. Et puis gagné DG la police la France LB qui li choisi pour sortir dans silence li dans moment tragique que la police a connaît journée jodi a. Et puis l'autre bagay qui bon pour me dire nous, tout bagay bon pour parler, programme Biden nan a marché assez bien tande. Pour occuper aucun monde qui pas gain volonté fil pour qui a dû attendre ça passé là, battre des codes dossier dans bail fédéral pour occuper. Que tant gain 2000 haïtiens qui joine autorisation pour aller États-Unis et parmi 2000 là, 1700 gain temps rentrer. L'autre 300 on pas connait ça attendre, tant l'attendre au dormi dio. Comment nous y est, moi espérer que nous en forme, moi espérer que n'a kembe. Tendez. La police dans Saint-Marc tamen yon opération et opération que la police tamen li mérite bat bravo, li mérite yon ovationnement qui vraiment chaleureux. Après nèg grand griffio baz sa vyen, yo fin kembe policier nou yo. Yo tortot yo suite avec 3 attaques yo fait non seul jour sous sous-commissariat li an koua, et ben faut me dire la police a li même li t'a pral tamen yon opération après yo te fin gagné yon capable di yo te fin gagné yon information. Ben mes chers amis, qui est-ce que la police a arrêté? La police a arrêté yon certain de Jean Hugues Terrial. Vous avez dit non? Jean Hugues Terrial qui sa monsieur yé. Monsieur c'est cousin et en même temps compè chef gang Grand Griffe là. Chef gang Baz Savien qui c'est Luxon. C'est pas aucun lapsus non, c'est comme ça non individu a, c'est Luxon. Il faut fermer la bouche. Mais mes chers amis, tendez bien. La police a arrêté monsieur après yote fin joine que tout ça c'est lui-même qui principal sponsor baz la nan question ba yo zam, nan question ba yo munition et monsieur li ba nèg yo zam, li ba nèg yo cartouche pou fonctionner ensemble avec un pile dicté. Et pas oublier baz si la li impliqué nan plusieurs mauvais affaires, par exemple nan question kidnapping, nan question touye policier, nan question touye l'autre moun ki civil nan pays d'Haïti. En tout cas, mouche ça, yo et selon information li gen 44 l'année. Lise moun verret, se comprenne, et en même temps, tout aussi là, mes chers amis, la police prend, c'est parce que j'aime ce djou là, et yon gen information que Mouchea, c'est lui-même qui principal fournissait zam ensemble avec munitions. Mais comme bagay qui est important, qui est extrêmement important pour nous d'affronter parler, mes chers amis, l'op gade figi type là, comprenne bien oui, et ça veut toujours dire bandit pas marqué dans le visage. En pour nek ça pour l'esprit pas tourmenté, pour pas bouleverser nan moment ça côté bandi ça yo touye 7 policiers pour nous et puis pour monsieur gen accès pour la marcher sous monde toujours. En tout cas, baton ti bravo pour la police parce que jan de opération si la yo fait nous que nous content, yo fait nous reprendre quand même. Nous gon ti soulagement à chaque fois tande la police maré majon sa yo. Mais koun ya gros moun ki pose mon question, bon m'a quitté le pour auditer, m'a quitté le pour fanatiquement répondre à travers commentaire. Yo mandé est-ce que Jean Bandio tire policier et Silayo? Est-ce que dans cadre opération que policier dans Saint-Marc tap tanmen, est-ce que Bandi Silaa fournissait zam avec munition Baz Savien? Est-ce qu'elle pas capable même Jean tout avec policier? Bon, m'pa konnen pour qui ça la police oblige à bérer Jean de type ça yo, peut-être ka gen quelques informations et en plus que la police même a cherché, capable c'est unique raison qui fait monsieur li pa garder prendre zon tèli. Ça c'est ça qui me pense. L'autre détail, l'autre information qui vraiment important, DG France LB, monsieur ça a choisi pour dire une parole, pour faire une déclaration et m'a tout dit nous ça là, monsieur pour moi-même, ils sont professionnels. Tendez bien oui, monsieur comme ça l'a fait. Et tout ça mes chers amis, malgré un pile moun li parle, yo dit ah, ça l'a dit pas camper son rien, mais quand même capable dit moun qui gère les questions communication pour DGA, moun ça on met connait même ballon petit point. Pour qui ça, on va expliquer au talent comme ça dans quatre émissions. Mais dans déclaration qui France LB lui-même, il fait journée aujourd'hui, faut me dire que messieurs mes chers amis, il fait qu'on est revendication que police a fait dans l'aria, il est tout à fait normal. C'est une revendication qui est tout à fait juste. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit violence comme une solution problème, non c'est pas dans violence qu'on a besoin ni, mais c'est dans l'unité. Et en même temps, les tout lancé une opération contre tout bandit pendant les annoncer les prend toutes mes là pour capable renforcer équipement la police à renforcer commissariat et sous-commissariat qui étend sur tout territoire national là pour bandi yo capable joindre ça que yo mérité après environ 14 policiers tombés dans seulement une semaine. Est-ce qu'on comprend?
En tout cas, mes chers amis, baga la vraiment compliqué. Et selon France LB, il dit opération que li pral tanmen là, l'autre stratégie qu'il pral tanmen en de la police là, li pote non tornade 1. C'est opération ça actuellement qui lancé contre tout bandi pour dénicher yo pour on prend sans ave yo mettez en côté qui a pas al faire ou faire grimace devant papa baou. Ça c'est parole France LB les nous décortiquer c'est ça qu'elle bail comme résultat. Mais là me saute dit que France LB on prend après fin annoncer opération tornade dénoncer certains avant même de commencer avec exercice ça libéral renforcer on prend en premier lieu commissariat yo et puis renforcer équipement la police. La police a gagné équipement dit nous déjà oui mais peut-être pour ça au besoin faire pour résultat qui a cherché yo ka trouver li pas encore suffit ça li normal. Mes chers amis tendez bien m'so dit que France LB messieurs ça li son nèg qui intelligent li son nèg qui montré dans langage li le sens du professionnalisme. Qui ça fait me dit ça France LB dit ça que policier a fait dans l'aria là li juste tandis que m'a regardé on tête bochette m'a relé aboloutio permettez-moi l'expression si me dit ça ça c'est engagement pam raison que fait me dit c'est façon il t'ai parlé auparavant et façon il ne parler kounia dès qui est ou même on pense m'a parlé là m'a parlé de Edmond Suplice Bozil et me connaît dame ça c'est la peur d'émission ça caracher bon tête moi bon me dit mais qui déclaration qu'il t'ai fait les on prend ça qui t'est passé en dans village de Dia nous songe ça qui t'est passé 12 mars 2021 nous t'ai perdu paquet policier dans une opération qui pas planifié nèg ISO 5 secondes yo t'ai mangé policier yo et bien t'ai gain André Michel Batson André Michel parce que monsieur lui même pas comprendre qui bolie raison prendre tout monde montre c'est que sur Abolo tu cap et quand qu'il cap pia fait dans moment mais Edmond c'est plus Bozil lui t'ai font déclaration et journée aujourd'hui elle font l'autre déclaration mais ça qu'il t'ai dit il dit avec munition gain policier ou pas gain yo nous connaît bien c'est pouvoir qui fait des gangs qui donc ça a été pour que Jovenel était sous pouvoir c'est pouvoir qui fait des gangs qui donc suspend vos policiers ou mourir qui te met alors et nous te mettez zam nan mes bandi yo et nous responsable tout crime si la yo faut que famille policier ou porter plainte contre pouvoir de facto ça policier yo prend responsabilité et bien responsabilité que il t'a parlé 12 mars 2021 peut-être c'est kounia policier ta choisi pour responsabilité yo suite avec policier qui tombé nan on commencement année gen tan gon vingtaine policier qui gen tan fè vrèl pou peyi sans chapeau et bandi yo même yo lanse une campagne pour chercher kay tout policier et bien nan ti sorti policier te fè pou te revendiquer est-ce que reprendre pour policier te prend la rue là pour frapper contre l'estomac pour montrer que ou pas d'accord façon qui a tombé en babal bandi a mais on l'autre tweet bon l'autre déclaration que Edmond Suplice Bozil lui-même li fait jodi a Haïti pour l'autre Vuelta gang armé prend la rue à une seule mission touyer PM Ariel Henry mais ça yo pas connaît. Le attaque yon aéroport, ce n'est pas yon moun, ni yon pouvoir ou ap détruit, c'est yon pays. Sécurité airport menacé, avion gen doit décider pas atterri ici encore. Qui est-ce qui a bénéficié voyager gade? Qui donc, ça qui est important, mot clé que nous soulignons dans la déclaration actuelle, Edmond Suplice Bozil là, mes chers amis, c'est gang qui te prend l'aria pour lui-même, ce n'est pas de policier. Pendant que 7 policiers qui tombent, il y a 3 lots, alors on capable de dire 4 lots policiers qui tombent. Non et non m'inviter l'homme il parti avec un paquet si on prend des policiers qui tombent dans moment il a fait check routine et bien les policiers ont choisi prend la rue les qualifier policiers ça yo en tant que gang moi m'a dit ça clair ouais France LB les soutenu déclaration yo il connaît tout s'il était pas les mêmes gens avec Edmond Suplice Bozil qui sont en démarche pouvoir, j'en prends qui sont moun bon, baba l'entrée puis former ces informations, mais quand même en tant que haïtien qui a quelque bagaille qui t'a supposé concerner type là même qui se tinet en tout point là. J'en comprends? Eh bien, si France LB allé dans même sens avec Edmond Suplice Bozil qui sont en aboloutio, quand même ou t'a saisi ouais, nous va t'a gagner institution policière là encore, li t'a craser. Parce que m'braz bagaille important. Ou est ça sorti ça qui France LB fait, yo t'ai t'a annoncé qu'il annulé. C'est-à-dire, l'idiot dit, pas de confiance encore, France LB va parler encore. Les comptes pour qui ça le fait tactique là. Et puis, étonnamment, les choisi parler avec la population. C'est parce qu'il pas de créer une panique dans la salle de conférence. Sans côté, il n'a pas de confiance, pas de policiers venir. Dans le moment, policiers, on peut être capable de dire pression, il est vraiment
augmenté. Et pas oublier ti nèg chou prèt la gen on paquet de temps. Depuis le dit l'homme policier, on prend qui frustré, li pirèt kon gang. Parce que zam ki nan mel nan son zam ki légal. Est-ce qu'on comprend? Yo bal gon, li gon badge, li gon chèque que l'a touché pour service qu'il a prendre population hein. Demain policier ça, ou frustré. Est-ce qu'on prend? Ou nuibé gon ni, c'est tout normal journée jodi a affichage ko wèl gen là. Nan la riporte ou prince koué province, si yo di okay frappe tout, eh bien, li patap lot, et m'te dit déjà, et sa kap debouche a si bay la style rete kon sa, la pirete kon kachou boumbe. L'em parle, prince samedi yo en considération, m'pa on pou fè de malheur, mais c'est analyse, c'est logique, et puis wap pouè tout bagay yo a clair, si l'état pa pren responsabilité. Eh bien, fom do, après frappe sa ki Ariel pren, nan mes policiers qui t'a prévolté dans la rio la, misé Alchita pale avec gros auto ben nan États-Unis, oui. Tandis que mais nous gagnons pays Salvador en parlant des présidents pays à même qui mande le vle aider Haïti pour qu'on ait une réponse qui sorti dans bouche Ariel Henry non c'est pour montrer que insécurité gangsterisation gain là phénomène insécurité a ligon orientation ligon main cap guider que personne moun pa wel mais sous intelligence sous fait en coiffe on pas besoin fait nèg tu peux parler plus non ou pas gitan web tout bagaille est-ce vous comprendre pas oublier pendant ap koute m la men ok yo pousse yon di yo et soit de l'ivé et état de l'antonité et enfin pili fok yo et dans la soirée vers 7h et te rentré dans mon coup mais pendant toute la journée de 7h jusqu'à 4h opération finie hein. Et les policiers ont été quittés et ont été jusqu'à dans la matinée matin là. Et ça nous dit que les policiers nous félicitent courageux et nous pensons que des empires exploits, les dirigeants policiers au KPA et les policiers seulement besoin plus compréhension, ensuite plus motivation et plus moyens pour combattre comme gang. Parce que moyens que nous recevons hier, qui c'est blindé que vous voyez pour nous hier, mais c'est pour la côté de la Tibonite, la côté café que vous voyez. Et si nous pensons avec ça, nous pensons que la Tibonite, ça peut passer à la passer, mais on connaît la police avant de donner les moyens très limités, l'homme de la couture pour vous plier au comité tout. Et c'est ça fait que c'est hier, avant de nous recevoir la main de ça, qui va renforcer la sécurité dans le département, et qu'il y a une bonne possibilité que ça passe à la répéter. Directeur, on a essayé de nous une explication sur les circonstances, comment les policiers ça a fait mourir, puisque vous-même, vous avez sorti de naïf pour venir à renfort, un policier Liancourt qui était en difficulté, d'ailleurs, voit témoigner ça, pour demander renfort. Donc, est-ce que c'est sur route que Guetap en fait, donc pas même rivé Liancourt, comment ça fait, comment ça a lieu? Les policiers m'ont dit renfort, effectivement, il faut arriver, mais un commissaire municipal a été dans la tête et groupe à bas renfort, qui peut accompagner deux équipes de groupe pour bas renfort là. Et pendant qu'il y a privé, il a attaqué renfort là pour qu'il y monsieur à distance. Et monsieur Goumet avec lui pour le traverser. Et là, ça a l'autre équipe qui peut bas renfort là. Lui-même, étant des policiers tout en difficulté, il n'y a pas de renfort là, il est déplacé pour nous venir supporter les policiers. C'est tout combattant qui a fait là, il n'est pas fait pour le commissariat. C'est vrai, il est obligé d'attaquer le commissariat. Mais le fait que les policiers aient des informations, même si le décan a privé sur eux, le décan a anticipé, il est en bloqué depuis devant. Et là, il est venu déplacer pour aller voir monsieur Bakop, qui s'était dans Bakop là, pour aller supporter eux-mêmes, ou qu'il a vu le bail renfort là. Des espaces dans deux. Et bien, bandits qui infiltrent la population, et pas côté pour le campéa, la moutamouille, ou tuer les policiers dans deux. C'est ça que les policiers victimes, dans pas sens ça. Non, non, qui policier on parle? Policiers Udmour, qui était Liancourt, parce que depuis toujours, qui était en détachement, Udmour Liancourt. Et c'est eux-mêmes qui ont attaqué. Est-ce que c'est eux-mêmes qui mourir? Six policiers. Il y a là-dedans qui mourit, et quatre là-dedans, et la police qui vient de la côté de là-dedans qui est victime. Ok. Vous parlez de policiers, tout bandits, aller avec, vous dans le bilan, nous avons dit au départ, il y a deux policiers qui sont blessés, nous admettons qu'il y a six qui mourent effectivement. Est-ce que il y a un policier qui ne pas répondre à l'appel et nous pas joindre le cadavre? Non, c'est seulement ça, je n'ai pas ça, qui est que d'après eux, c'est les policiers qui étaient venus à l'hôpital là.
Pendant que vous dites ça, les policiers ont dit qu'il était à l'hôpital, qu'il prend une balle dans le dos, ils disent qu'il mourit également. C'est dit le monde. Oui, vous dites même oui. Non, c'est hier soir, dans le cadre de 4 du matin, que je n'ai pas appris que l'Utamon n'aime beaucoup comme confirmation. Ça va faire 7 policiers. Oui, 7 policiers. Ça va faire 7 postes d'assemblée succombés à la suite de sa démission. Information ça est comme nous voulons le donner parce que nous avons fait tout en bas pour sonder, mais après nous voulons le donner. Donc peut-être que le téléphone nous a bien signal, garder l'information ça qui va tout monter. D'accord. Pour policier ça, qui mourit, on dit 6 policiers ça, qui côté mourit? Est-ce que c'est dans ce dispensaire, côté de la soin? Là où tu es dans le dispensaire là. Il va mourir. C'est ça fait que le responsable était sous place là, commissaire là. L'ambulance qu'elle te baille de son général département de la ville est publié. Il va te piquer là-dedans parce que déjà parlé avec toi avant, il te dit côté là, je sais que c'est pas la responsable qui était là, équipe ça. L'un d'une part, quand tu as parlé dans ces communications, il n'est pas bien. Donc, pour les bilans là, il n'est pas baillé ça là-dedans. Et pour lui-même, monsieur là, parce qu'il n'y a pas bien longtemps qu'il est allé avec nous. Il est mort venu évoluer. Le bilan ça a été bailé là, il y a environ 3h30. Et le policier est mort, il est dans 4h, environ 5h. C'est pour l'après-midi. Mais ça, nous avons des informations. Donc ça veut dire que c'est le bandit qui est rentré pour un policier dans le dispensaire là, c'est ça? Oui, parce que ça a bien passé. Il y avait une ampleur environ de 150. Et la police a bombé avec eux. Et il a parlé avec le policier qui était dans la zone côté de la mort. Le policier dit non, il y a des distances à boumer, tout le bagage ok. Il a dit pas de monde dans la zone encore, il y a des mots poussés honnête. Et pour responsable de population, c'est que zone ça, il y a banni, il n'y a pas bien, pas bien, pas bien, pas de danger là-dedans encore. Et malheureusement pour lui, dans l'après-midi, il s'est retourné dans la clinique là. Je ne peux pas se croire moi avec le commissariat, ils ont bien dit ça quand même. Mais retourner dans la clinique là, policier. Ils ont été dans la bataille, ils ont blessé, ils prennent soin. Est-ce que tu as pour ça pas de l'autre backup qui était là pour protéger, sécuriser le clan pour empêcher que monsieur. Parce que si vous êtes sous cabane l'hôpital, donc vous n'avez pas de zame probablement. Mais là, nous n'avons pas eu la situation réelle. Nous n'avons pas encore défini. Ça veut dire que c'est trois groupes policiers qui ont gommé. Ils ont fait deux fronts différents. Et trois groupes policiers qui ont gommé. Ça qui est dans la zone, ça lui-même. Et là, toutefois, ils ont été blessés. Ils ont été blessés. Sauf que les policiers ont pris le bac en zone. Ils ont une grosse résistance. Et puis, eux-mêmes, ils ne font pas la reconnaissance. Ils ont dit tout le bagage est OK. Tout le monde, le commissaire là, il est moi-même parlé avec moi. Il me dit, parce que tout le monde, quand on appelle, comme on vient d'aller, il dit, tout le monde en forme, il parle à la responsable, il me dit, quoi, moi, dit, tout le monde, ok, pour lui-même, il y a seulement deux mondes qui blessé. Et c'est la partie de ça, nous allons communiquer le bilan, qu'il y a seulement deux blessés du côté de la police. Et nous toujours fait et appel à collaboration et population. Mais dans le cas et drame qui arrivé hier dans le lien courant, nous apprenons que le comportement de la population n'a pas aidé à la police. Non, pas du tout. Pas du tout. Que même dans le policier se voit, selon l'information que le bail s'appuie, qui a sorti, qui pas en face, parce que le bail doit dire en face, c'est dans deux, alors que pas des mondes dans deux, population dans la zone, ça, n'a pas dit quoi, moi, parce qu'on a vraiment collaboré, parce que là, il était très hostile à la police pendant l'hostilité. On y a la main vivant de précision ça et commissaire. On y a la un dix six policiers qui sont victimes en attendant la confirmation 7e.
et dans qui unité yo respectivement et dans qui commissariat affecté. Policier qui tout mauvais dans le policier qui sorti dans le commissariat de Gonaïve qui était venu par Bato qui policier. Mais majoritairement cette policier qui t'a victime en attendant de confirmer des dévoilements. Donc jusqu'à présent là, la police n'a pas de contrôle cadavre policier dans mes bandits. Pour le moment, ça nous a dit la police n'est pas en contrôle. C'est bien parce que qui vient bandit pas de jambes de contrôle, on a fait tout en commun, on ne sait pas de jambes dans la zone commissariat. Ce que ça passe, c'est à quelques mètres de commissariat, il va pas du tout. Bon, vraiment qu'à dire combien de mètres. Il n'y a pas de commissariat, peut-être 2 à 300 mètres, le commissariat, ça s'est passé. Et pour le moment, la police a pris des dispositions, qu'il soit privé, pour faire tout ça qui est possible pour récupérer le cadavre policier au côté de l'arrière. Mais comment sent-on le matin là, on va pleuver là comme chef police département, et puis pour apporter tout cadavre, ça y est, parmi les éléments qui constituent. Pour pouvoir les dire. C'est très choquant, c'est très choquant. Tout ça nous a dit avec la mort dans l'âme. Nous comprenons que l'important pour nous souder nous beaucoup plus, pour nous beaucoup plus solidaires entre nous. Maintenant, on va contacter pour nous arriver pour jouer une policier. C'était une illustration de ça. C'est pour côté policier très solidaire. Et c'est pas arrivé à temps. Et quand même plus, c'est pas convaincu le policier est victime. C'est parce que pas arrivé à temps. Ça a montré la solidarité que ça nous a fait la police là. Et le policier qui était victime, problème qui était posé dans la population qui n'a pas supporté, pas d'être victime du tout, et dans la zone Kwamo, et son opération qui n'a pas assez normal, quoique ce n'est pas une opération planifiée, son attaque terrible, mais gens, la police reprend la téléphone positivement, et tout le monde accepté de parler dans l'Ianco, il a dit que la police reprend une distance correcte, et la police qui avait environ 30 de policiers, et bien environ plus de environ 200, plus de 150 individus armés étaient mis à distance et pas permettre ni l'idée pour le commissariat, ni à tel objectif que rien. Mais nous regrettons les policiers qui nous ont été confrères, nous, des commissaires pour souterrains, des policiers qui ont participé à trop, nous gardons des agents pour souterrains, donc des commissaires pour les souterrains qui étaient dans le bac là, qui ont boumé ça, ça m'a dit, des commissaires principaux là, qui étaient là tout, les commissaires municipaux là, lui-même, il était sur le fond, côté qu'il t'a boumé même, côté que même quand tu sois appelé, il y a des machines à thème, dans plusieurs politiques, et bien même véhicule qui perdu là, qui incendie là, et puis machine par côté qu'il était là-dedans, il t'a boumé ça, ça m'a dit. Donc c'est pas une opération côté que le commandement de la police pour entrer, c'est côté que le commandement a boumé avec le policier sur le terrain. Directeur, est-ce que dispensaire, ça n'a pas l'air, son dispensaire qui t'a fonctionné, ou bien son espace, son endroit, policier, tout simplement, t'as le réfugié, parce que vos photos, on va vérifier si les authentiques qui ont circulé, quand ils ont montré nu, dispensaire, ça a criblé avec balle, donc sans doute, si c'était un dispensaire qui t'a fonctionné, il faut que tu aies l'autre monde qui mourit, parce que quand même, il faut que tu aies l'autre monde qui a pris soin, et personnel de santé, etc. Donc est-ce que espace ça que vous les dispensaires là, c'est pour espace qui a personnel de santé là-dedans, côté policier au tal prend soin, ou bien tout simplement dans le réfugié dans l'espace ça. Moi, pas d'information ça, c'est que le rapport qui vient là maintenant fait état de policiers qui blessé qui est un dispensaire. Et je suppose que le total de son dispensaire est-ce qu'il était fonctionné ou pas?
pas des informations ça, mais des policiers qui viennent en bas-côte, qui voient un station ouvert, qui n'a plus de distance, qui blessé, qui rentrent là-dedans, ils pensent que c'était un réflexe normal. Mm-hmm. Donc, combien de bandits les mêmes qui, selon nos informations, qui sont tombés? Trois qui tombaient dans un premier temps, c'était depuis 7h à 8h du matin. Après de plusieurs, les gens en ligne qui étaient en bas, la police peut communiquer sur les. Il y a des gens qui ont été blessés, mais trois bandits qui sont tombés. Et dans le deuxième attaque, il y a autant qui sont tombés. Et c'est ça qui fait que nous avons été oubliés. Et bilan que nous avons été balancés. Mais le ça, parce que les policiers qui tombaient dans la période de la police, bilan ça, parce que les policiers étaient encore en vie et étaient dans le pays. Directeur, avant d'après le quitte aller, pour continuer à faire travail là, m'a appelé un message là que le policier transféré moi, il dit qu'il y a deux policiers qui étaient pris en balle. Il y en a d'ailleurs qui mourit hier soir dans le même incident lien courant, mais l'autre là dans l'hôpital, l'hôpital, il est non libre. Il dit qu'il était opéré en urgence depuis hier, mais l'hôpital n'est pas capable, ou bien il était opéré, que l'hôpital n'est pas capable. Il faut que tu as transféré mis en balai pour être capable d'opérer. Depuis hier, pas gagné aucune diligence qui est faite dans le plus haut niveau pour ta voyer sauver vie policier. Ça, t'as pris fait message là, passé pour nous. Ils ont dit route là bloquée, mais la demande côté hélicoptère, ambulance là, pour que ça t'empêche de gagner plus policiers qui mourent. Donc, je connais au courant que dans deux policiers qui étaient blessés, ils ont une qui a nécessité pour aller prendre soin. Balai, effectivement. Il y a un policier qui était blessé, effectivement, mais le médecin traitant a dit que il n'a pas opéré, il n'a mieux que limiter avec la touche là. Un petit temps, parce que côté il y a très sensible, il est délicat à vivre avec pour le temps. Les premières informations que vous avez, que le commissaire qui se place là, qui était dans l'opération, communiquez-nous. Et les policiers, les hôpitaux là, les syndicats, il va faire intervention et intervention par le CC en un moment. Intervention sur l'hôpital là. Nous avons bien pour être transporté, mais entre temps, le combat va bien compter. Les policiers s'adaptent à l'IAPSE pour le donner des informations, mais par contre, comment ça tire sur le terrain. Et le combat va bien compter, le combat est sur le crétal. Et entre nous avons besoin d'une ambulance qui est évacuée. Et l'hôpital là, ça fait des avancements pour ça. Et avec avec un commissaire qui se place là. En gros, c'est ça, on a dit, mais les policiers ont été sous soin intensif dans le moment. Et il y a une disposition qui t'a pris pour t'évacuer pendant la soirée. Okay. Nous tous aujourd'hui l'ont fait criver dans tel département où tu as choisi de rencontrer l'autorité notable dans la zone nord, où tu as loué représentant l'église et où tu as parlé avec les gens pour comprendre la situation qui a développé dans la Tibonite. Est-ce que Demassa et d'o vraiment une compréhension de ce qui a passé et ce qui a passé dans la Tibonite là? Effectivement, dans la Tibonite, chaque zone a une particularité. Nous avons une très bonne compréhension de la réalité. Il est vrai que nous avons actuellement environ un mois de tout le département. Nous avons une très bonne compréhension, c'est ça que stratégie que nous utilisons, nous commençons à combattre comme nous sérieusement, et bien appelé qu'il est en prison, et bien nous voyons la DCPJ, et mon travail en plus dans ce sens-là, c'est avec collaboration, mon système de renseignement qui fonctionne très bien, et c'est ça que fait que nous devons être au courant que, bien sûr, il y a des possibilités pour être attaqué, soit au week-end ça ou au week-end prochain. Nous-mêmes, c'est ça fait nous-mêmes, nous avons anticipé, nous avons monté au commandement, commencer dans le matériel de préparer l'opération ça et ça qui va se passer comment l'information ça fait fuiter et monsieur anticipé l'attaque commissariat hier selon l'information que nous avons c'est des préparations qui t'a fait longtemps qui t'a aussi proche. Et ça, c'est parce que nous avons information qui fuiter et nous avons regardé côté information ça qui fuiter à sortir du traité de l'attaque sur tout ça. Et pour finir, directeur, et
imaginez les policiers qui levaient matin dans le commissariat et Bonaïve là, et dans toute la Tibonite là, qui est habitué à aller sur les fronts, vraiment dévasté. Et nous-mêmes, nous habitués à parler avec vous, nous voir, nous déduit et toute émotion. Et moi, j'ai tenté de rassurer les policiers, nos voix que nous diffusions tout à l'heure, mais sous cas dit policiers, on bagaille au moins. Et pour finir, c'est qui ça? Moi, j'ai toujours essayé de donner la morale aux policiers. Les policiers étaient toujours contre les oppositions jusqu'à ce que soit privé dans la soirée. Et c'est à soi qui a libéré les policiers. C'est à soi qui a été en confiance. Et c'est motivé, nous avons motivé. C'est parce que nous sommes campés avec eux, parce que le commandement était campé avec eux. C'est parce que c'était un bon commissaire là avec eux. C'est parce que c'était un bon CP là avec eux. C'est parce que c'était un directeur dans les sillages. Moi, c'est à 2h du matin, mon pays. C'est concentré de soir. Donc les policiers avouent qu'avec lui, on s'en a été dans une sorte de police, et c'est comme un policier qui n'est pas acheté dans la police. Donc tout ça peut être traversé. Et moi-même, j'ai commencé à faire une action, mais le commissaire était perdu pour lui là-dedans. Et ce n'est pas un monde qui a essayé, ce n'est pas toujours avec la seule monde qui vont, c'est un qui participe avec le policier. Et nous tous touchés de la même manière, même nous agents touchés par ça, mais pour nous-mêmes, notre moment, et la Tibonite, nous touchés par ça. Parce que nous avons vu de loin, nous avons participé avec eux, nous avons combat avec eux. Et c'est une réalité que nous avons. Et le commissaire a témoigné de ça. Jusqu'à présent, le commissaire a sur place. Et le maintenant, la décoration, il est pour le groupe monté. Mais nous faisons tout le temps en dans la police. Le commissaire fait ma place, dans la rétention, nous faisons tout le temps pour qu'il y ait moral au lycée. Donc, ils ont montré que là, c'est ça, c'est là, nous avons une situation qui très délicate. Et nous-mêmes, nous connaissons, nous avons fait un métier à risque, et ça fait partie des risques du métier. Et ça va faire, ça pourrait passer comme ça, nous avons des moyens, nous avons des équipements qui sont là. Et heureusement que le directeur général là, oui, nous avons des matériels, nous avons des données, que nous essayons d'appliquer là pour qu'ils supportent nous. Et une fois que nous avons des blindés, c'est sûr que ça va nous éviter encore une antibiotique. Commissaire, et nous quand même pour dire un mot rassurant, même je ne suis pas la police, ou apparent, et policier ça, yo, et je dis à la qui non seulement tombe dans la position ça, mais qui peut quand même qu'ajouter une corps pour capable rendre un dernier hommage. Donc qui sont qu'a dit au matin là, est-ce que la police lui-même est prêt à mobiliser, que ce soit au niveau du au commandement, au niveau de la direction départementale pour Géréa, pour capable prendre ou bien récupérer corps policier ça, yo, parce que c'est leur information, nous, toujours dans mes bandes. C'est pour le public là, c'est pour rassurer le public là, donc à faire une déclaration sur radio. Je pense que c'est un manque d'élégance, et si on n'a pas la police à travers la presse, on a essayé de remonter nous sommes commandants, nous avons une responsabilité, on trouve nous-mêmes, et quand tu es face à tout le monde, yeux dans yeux, montrer que c'est le commandant qui parle avec nous, mais qui ont confiance, nous ensemble, notre machine, c'est pas sur radio, que l'on commande. Pour parler pour rassurer les policiers. On commande à son équipe, machin policier, de côte à côte, qui marche avec lui, qui connaît que ma suivi mon bagage, ma bagage est une même direction, nous avons une même mission, la marche ensemble. C'est vrai qu'on offre une opportunité là, même penser que c'est un policier d'après comme moi. C'est pas saisir bien, commissaire. C'est pas ça, me dit. Moi, je dis que dans Voice, côté, nous sommes passés à l'heure, nous avons rassuré les policiers. C'est normal. Même en et parents et policiers ça qui victime dans corps toujours dans mes bandits. Donc qui ça la police même côté faire pour permettre qu'ils occupent le conseil ou mettre apparemment au moins pour rendre un dernier hommage à qui c'est ça me le dit commissaire. La police ça et donc déjà prend toutes les mesures nécessaires pour toutes les dispositions nécessaires pour elle, quelles mesures donc le plus rapidement possible et joindre le corps policier ça et permettre que le monsieur enterré en toute dignité. Directeur, est-ce que l'incident qui arrivait là, ou bien une question de conteneur que la police était saisie ou bien la police a pu aller chercher à récupérer dans ce qui passait là?
Négatif. Négatif, c'est des rumeurs qui ont circulé. On continue devant le commissariat visible. C'est ça fait que c'est ça que il y a des mondes qui fait circuler. Et monde qui fait circuler, c'est des informations qui font circuler à dessein. Et nous-mêmes, on a pris toute disposition pour notre vraie motivation de ce tribunal. Et nous avons des éléments qui commencent à rassembler, des éléments pour enquête là. Et nous tous ça déjà, quelle est la motivation politique ou pas, une fois que nous voyons tout élément, tout indice, tout critique, fait que nous épreuves contre un monde ou un groupe de monde qui t'a déjà ça, tel à l'interne, tel à l'externe, la famille publique, et nous avons laissé les dossiers là devant la justice. Voilà. Merci beaucoup, commissaire Jean-Bruce Samir-Til. On a rappelé aussi le directeur départemental de la Tibonite Police Nationale d'Haïti. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons parler Koulia avec le commissaire gouvernement AI et Saint-Maclan. C'est M. Venson qui a même souhaité porter une précision par rapport à l'information qui a circulé. Commissaire, bonjour. Bonjour, Guerrier. Bonjour, Pierre-Renel. Bonjour. Monsieur Johnny, bonjour Madame Luizy, bonjour à tout auditoire Radio Caraïbe et matin. Oui, oui. Donc, vous avez souhaité porter une précision par rapport à l'information qui a circulé. On a rappelé aussi Vincent François, commissaire AI, commissaire gouvernement AI Saint-Marc. Donc, Lumière, que vous voulez porter matin, qui s'allie, puisqu'on parle de confusion qui gagne dans notre cap circulé. Oui, confusion qui gagne, hein, c'est que, effectivement, moi, j'étais en pour parler avec un journaliste. Et parce que depuis notre cours de journée, elle était. Et aborder sous question sur ça qui a passé là en quoi. Nous t'ai parlé et moi t'ai expliqué lui que depuis bien bonheur, monsieur Yo t'est occupé espace ça et la police t'est intervenue pour lui repousser Yo. Et il a fait plusieurs attaques. Jusqu'à 3 heures, Jean dit à la Sodia, nous t'ai gagné information qu'il y a des policiers qui étaient blessés. Et moi t'ai arrêté en contact serré avec les CPA. Il était informé que les policiers qui étaient blessés, jusqu'à ce qu'il ait confirmé après que il était récupéré les policiers qui étaient blessés. Il était dans 6h50, le journaliste a dévoilé une vidéo pour moi et il m'a demandé, mais est-ce que moi j'ai une information ça? Moi j'ai écrit pour me dire, effectivement, depuis le matin, il y a 3 attaques armées qui sont sous les encours et les policiers ont été venus pour repousser les bandits. Et grande opération a été faite côté que il était force était faibli, il était replié et il était mandé backup Bonaïve, effectivement backup la TV vini. Là arrivé dans moment ça monsieur même était faibli, il était rebouché chemin jusqu'à ce d'aller ravitailler pour retourner effectivement retourner, mais pas de information qui des policiers mourir. Les informations qui viennent sur terrain ont dit Jean Victor s'est expliqué là. C'est un des policiers qui blessé qui rentre dans l'espace. Après ça, bandit, yo envahi l'espace là, yo tiré sur tout l'espace là et puis yo prend policier à la veille. Même pas confirmé que des 6 policiers mourir, c'est qu'on y a directeur à confirmer que moi-même, moi vingt gain parce que m'a pas de chiffre et sous confirmation quantité policier mourir. Et m'a pas de chiffre tout sous quantité bandit qui mourir parce que moi dans notre yo dit que moi confirmé que 6 policiers mourir, moi confirmé que 6 bandits qui mourir. Or nous connaît dans la pratique